Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer la sonde à oxygène sur le biofermenteur. Tout d'abord, quand vous allez arriver au laboratoire, ce qui va être important, ça va être de venir brancher notre sonde à l'alimentation afin qu'elle puisse se polariser un minimum de 30 minutes avant l'expérimentation. Pour faire la connexion, on va prendre le fil électrique avec le capuchon jaune de la même couleur que notre électrode. On enlève les capuchons qu'on met dans notre petit bac afin de ne pas les perdre. Comment ça fonctionne? Il y a un système d'encoche sur la sonde et un système d'encoche autour du connecteur, ainsi que des pins femelles pour le connecteur et des pins mâles pour l'intérieur de la sonde. On va venir aligner le tout. Donc, pour faire la connexion, en plus des pins à l'intérieur, il y a des dents tout le tour qu'il va falloir venir aligner les unes avec les autres. Quand c'est aligné, on peut tourner la bague jusqu'à ce que les encoches soient vis-à-vis les pins. Et hop, on insère, on tourne. Vous voyez ici dans le petit trou, notre pin rouge apparaît lorsque c'est bien inséré. On peut redéposer notre sonde ici. On continue le montage de notre bioréacteur. Elle va se polariser pour un minimum de 30 minutes. Ensuite, lorsqu'on est prêt à l'insérer dans le bioréacteur, même principe que la sonde à pH. Donc, on la sort de son support. On enlève l'embout ici, évidemment. S'assure que c'est bien vissé, le bout. On va faire le même manège que la sonde à pH. Et, encore une fois, quand on va l'insérer dedans, un collègue va avoir un flacon d'alcool afin de vaporiser un nuage pour garder l'environnement stérile. Donc, on y va pour eau non stérile, alcool 70%. On s'en va dans l'eau. Et hop, on va jusqu'à notre port qui est à l'arrière ici. Donc, pour insérer la sonde, on l'insère dans le port, un peu lousse à l'entrée. On met les doigts sur le côté pour retenir la sonde et on l'insère tranquillement jusqu'ici. Et on vient serrer la bague, comme la sonde à pH, afin de d'étanchéifier notre milieu.